Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Life is Strange. Après un long moment d'attente, j'espère que vous n'avez pas trop attendu, j'espère que vous n'étiez pas trop impatient, mais voilà, j'avais enregistré l'épisode 2 et sans le son, donc je vais dire recommencer, voilà, c'est super. J'ai parlé pendant je sais pas combien de temps, alors que ça n'enregistrait pas. Génial. Enfin bref, c'est pas grave puisqu'on va reprendre. Voilà, j'ai juste mis le chronomètre parce que je l'avais encore oublié, hein, du hérésie habituel. Et on rentre dans les toilettes. Ok, Max, retrace every step. Nous allons remonter le temps, mesdames et messieurs. Sous vos yeux ébahis, la première personne à remonter le temps, ce sera moi. Voilà. C'est génial. Allez. Them out of this bitch. I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Mais si on sait de quoi tu es capable, mon gars, allez, vas-y, avance vite, vite, l'alarme incendie. I need a hammer to break it open. Il me faut un marteau pour casser. D'accord. Chariot. Déplacé. Un marteau comme par hasard. Oh fuck. Je crois qu'il y a un problème. Non, bon d'accord. À mon avis, il va falloir remonter le temps bien plus longtemps. Allez, on va remonter jusqu'au bout. Allez, prends le marteau, prends-le. Ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! Non! Ouh! No way. On a eu chaud à la dernière seconde. C'est un peu Another shitty day. Un peu comme dans les films où pour désamorcer une bombe, ils attendent la dernière seconde et là, paf! Ah, ça a pas sauté. What the fuck is going on? Do not freak out. J'ai entendu une autre voix. Bon, nous on va rester aux toilettes hein, parce que c'est mieux. Allez, on va sortir. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Ah, cette tête de con. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Mais c'est bon, j'y vais, calme-toi. Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. Oh, le blague de service. N'y voyez aucune blague raciste. Ah là là, j'y crois pas. Allez, on sort. Vas-y, je me tire. Même pas, je te parle. Non, je déconne. Allez, il faut lui parler. Mais non, je suis pas inquiète, ça va. I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always. Oui, bah oui, il y a une alarme incendie et tout ce qui me préoccupe, c'est mon avenir, moi. Done something wrong. Is that it? Well, Max. J'ai fait une bêtise. Waouh, il se rapproche dangereusement là. Ah, dénoncer ça, Nathan ou cacher la vérité. Waouh, cette ambiance. Mon dieu. Allez, on va dénoncer ça, Nathan, puisque moi j'en ai rien à foutre. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Oui, j'en suis sûr. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. Je serais pas là si j'avais été repéré. It's the girls' room. I know. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family and one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to me. Waouh, je vais m'en occuper personnellement.
Oh, la phrase du gars acheté, quoi. Later, in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Genre, c'est moi qui dois aller dans son bureau, t'es sérieux? This academic drone won't do anything since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Non, bah je veux pas changer. Écoute, moi je l'accuse et souris gauche, allez au campus. Je l'accuse et je m'y tiens. Voilà. Si ça a un quelconque souci pour mon avenir, eh ben tant pis. Bah, je veux avancer quand même, pas besoin d'une si longue cinématique. Merci. Ouh, papa. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. 19 ans, 1m65, 50 kg. Ah, taille correcte, hein, taille et poids correct, pas mal. Tatouage de dragon sur le mollet et d'une étoile à l'intérieur du poignet gauche. C'est donc une racaille. Ce cliché sur les tatouages. Bon, alors. Oulala, il y en a des choses. Ah voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 affiches au cas où une affiche ne suffirait pas. Du coup, je vais pas les regarder puisqu'on les a déjà vues, il me semble. I would so be there if a Sasquatch actually did battle a Razorback. What? Bigfoot contre Razorback. Ok. Ok. Très bien. On va parler un peu à tout le monde. Parce que il risque d'y avoir... Oh, oh, oh. Il y a peut-être des trucs à voir. Pousse-toi. Tu vois pas que tu gênes, là, comme ça, allongé, genre... mode posé. Salut, Hayden. Oh, discutez. Hey, Hayden. There she is. The retro selfie master. Eh ouais, mec. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. Not to boast. Qu'est-ce que c'est le Vortex Club? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. I do. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Allez, pourquoi pas. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like. Donc il y a sûrement une intrigue sur cette Rachel vu que elle parle. Enfin, il y a des affiches de partout, on parle d'elle. Apparemment, elle fait partie du Vortex Club. Oh, yeah. Ouah, pourquoi elle me regarde, elle? Avec ses yeux entre mes jambes, là, c'est quoi ce bordel? Ouais, Rachel faisait partie du Vortex Club. Puisqu'on en a parlé, autant demander. Rachel était comme son propre club. Elle était en fait trop cool pour nous. Ah, d'accord. Et je vais dénier que j'ai jamais dit ça. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Whatever happens to people who disappear without a trace. Ok. Victoria apprécie Rachel. Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Et Nathan Prescott, alors. Ah, parce qu'il est dans le groupe aussi. Please, Nathan is like everybody's voodoo doll. Tu m'étonnes qu'il craque, le gars. Fuck the haters. Ouais, il a l'air un peu instable, hein, écoute. C'est le genre de mec à sortir un flingue dans les toilettes et à tirer sur une gonzesse. Hein? 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 Let's talk later, Hayden. Allez, à plus, Hayden. No,
I have to get my chemical on. Ne faites pas ça chez vous, mais les enfants. Mon Dieu. Ça parle de drogue et tout ça dans le jeu. Allez. Salut toi. Let me guess. You want to fly my drone? Non. Allez, j'aimerais bien. I'd love to. I love planes and balloons and this is neither. Do you know what a drone really is? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Please, step back. Oh, t'es sérieuse là? Je suis pas d'accord. Non. Hi, Brooke. Let me... Is that really yours? Is that even legal? Of course. Nobody knows about it yet. Isn't it considered a weapon of war? You read too many conspiracy sites. Waouh, je me fais jarter comme pas possible en fait. Rien à foutre. J'ai reçu un message. What? Calmez-vous. Ah, pas, calmez-vous, j'ai pas le temps de lire. Ah. Salut, Ouais, c'est ça. Salut Max, tu me rends ma clé USB, j'ai besoin d'infos et d'espace. Hello. Désolé, je suis en retard, journée de fou. Waouh, genre je suis en retard, je suis pas du tout en retard. Rendez-vous dans le parking, j'ai la classe, tu verras, je prépare mon appareil à toutes. OK. I better get to my dorm and grab that flash drive. Donc il faut que j'aille au dortoir. J'ai envie de parler à tout le monde mais en même temps, c'est où le dortoir? What? Pourquoi il me fait un fuck lui? On va pas lire tout ça, c'est pas... Swimming pool, rien à voir. J'ai envie de parler à tout le monde, mais je vais faire ça hors caméra parce que ils disent pas tous des trucs intéressants. Et... Ok, il y a un écureuil, il bouge pas le gars. Ils disent pas tous des trucs intéressants et il faut avancer dans la vidéo, donc je vous dis à toutes. Hi Miss Grant. Excuse me Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? D'accord, oui, pourquoi sure, pas. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Wow, c'est dément. Ouh. I get why school should be on high alert these days, but c'est très dur de parler dans cette vidéo. Très très dur. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage, from the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep... Waouh, avant que je te donne des devoirs, mais t'es malade. Je veux pas de devoirs, moi. Allez, je vais signer. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Cette action aura des conséquences. Quoique, si on y pense, avoir des caméras, c'est peut-être pas si mal. Merde. Oh! Ah d'accord. Hi, Miss Grant. Oui, d'accord, ok, sure, si tu veux. Oui, ça, on a vu. Ok, on a vu. C'est dément! It's a slippery slope. Ouais. Blackwell Academy. Enfin, avoir des caméras de sécurité dans l'établissement, ça peut être pas mal. Blackwell, dans le sens où il y a eu une disparition, un meurtre, je pense que des caméras, c'est approprié. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras... Qu'est-ce qu'il fout là, le drone derrière moi là? I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. What? C'est une critique personnelle?
Non, j'enregistre parce que, voilà, j'ai envie d'enregistrer. Pas parce que tout doit être enregistré, non mais oh. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Encore? You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay, why don't you start drawing me, even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute, Muse. Oh, that's a good posture. Good. Good. Le mec il me dessine au stylo bic quoi. Normal. Best portrait ever. À quoi ça sert de faire une pose si c'est pour me faire cette tête là? Je ne crois pas. Ouah, cette action aura des conséquences. T'es sérieux? Ok, bon bah si tu veux. Ok, donc, dormitorise. Bon, ça doit être les dortoirs, donc c'est bien là qu'il faut que j'aille. Qu'il faut que j'aille. Come on, Logan, bring it, bro. Yeah! Yeah! I need to go to my room and return Warren's flash drive. Donc j'allais récupérer la clé USB. Mais j'ai vu quelqu'un là-bas qui m'intéresse. Oh, on s'en fout. Je pense pas qu'il y ait... Je vais leur parler hors caméra, mais je pense pas qu'ils aient des trucs super importants à dire. Mais Kate, c'est mon ami, il faut que je lui parle. Salut. Hi Kate. Hey Max. He looked down. You okay? I'm kind of over humanity today. Sorry to be a drama queen. Is there anything... Max, I'd like to be alone, if you don't mind. I'm sorry. Okay, bon, bah, tant pis. Oh. Hi, Max. How are you doing? Fantastic. I'm by myself for eating chiclet. Pretty soon I'll be bonding with Victoria at the Vortex Club. I think you're better off reading chiclet. Good point. Now, if you'll excuse me... Ok, je me fais remballer par tout le monde, donc on va faire... What? Oh, les bitches! Qu'est-ce qu'elles foutent devant? Laissez-moi passer. Laisse-moi passer, j'ai dit. Ou je te marche dessus. Oh, look, it's Max Caulfield, the selfie hoe of Blackwell. What a lame gimmick. Even Mark, Mr. Jefferson, falls for your waif hipster bullshit. The Daguerrean processor... You could barely even say that. Non, pas vraiment, juste remonter le temps, en fait. Ah, tu peux me laisser passer, par contre. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, fuck. Oh, wait. Hold that pose. Ok. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now. Why don't you go fuck your selfie? Oh yes. Why don't you go selfie? I'll get your bunny ass out of my way. Alors. Salut. Regardez, non, je veux pas le regarder. Là, c'est ouvert. Ah ah, pompe à eau, utilisé. What the hell?
Ah, dans ta gueule! Look at this! Chill, Victoria. It's just water. Yeah, water on my cashmere. Do you know how much this fucking outfit costs? You look great. I can't even chill on the steps. C'est faux cul de fou. Allez, laissez... Ah, il me laisse toujours pas passer, la salope. Do you understand English? Get lost. Do you understand English? Sous-titré, je comprends le français. Bah oui, évidemment. Ok, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, vas-y, hein, monte tout doucement, n'aie pas peur. Mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Ah ah! Ok. Je vois quand même pas ce qu'il faut faire. Je vais remonter le... Ah! Je vais remonter le temps, on va voir. Et alors? Bon, on va remonter le temps plus loin. Peut-être que... Faut peut-être attendre que lui monte avant d'activer l'eau, non? Ah, je peux, c'est vrai que je peux accélérer. Ah, trafiquer. Ah ah. Ah, la salope. Ok, let's see if this works. C'est tout, c'est bon. Est-ce que je dois attendre que lui passe? Bon, on va essayer d'activer l'eau, puisque maintenant que je l'ai trafiqué, le truc il va forcément tomber. Hop là, on a passé. Ah! Ça m'a l'air de marcher. Ah, dans ta gueule! Dans ta gueule! Sorry. Wet paint is not good for hair, no. Le mec, il enfonce en plus. De toute façon, elle a pas de cheveux. Hold on, hold on. We'll get some towels. We'll be right back. So move your ass before I dry. It worked. Don't mess with Max, bitches. Allez. Va prendre une photo d'elle, tiens. Hey, Victoria. What do you want, Max? Se moquer ou réconforter? J'ai envie de me moquer, hein, quand même. Allez, je vais la réconforter ou je vais remonter le temps, juste pour voir si elle, si elle est gentille ou pas. That's an awesome cashmere coat. It was. But there'll be another. Well, you always seem to know how to pick the right outfits. I do have some talent. Mr. Jefferson told me. I've seen your pictures. You have a great eye. Richard Avedon-esque. He's one of my heroes. Thanks, Max. Ah, je peux devenir ami avec elle. I hope those sluts get me a towel before they hang a sign on me. You deserve a better shot. Sorry about blocking you and the go fuck your selfie. Ah, that was bon. Mean, but pretty funny. Wow, n'importe quoi. I know exactly what you mean, Victoria. Bah, elle a l'air un peu plus gentille que prévu, donc je vais rester sur ce choix. Victoria probably played me. I should have played her. Better get to my room before I find Warren. Quoi? Mais non, non, c'était très bien. Ça va, je suis pas une salope. Ah, je ne suis pas une salope. Ah, c'est moi qui vaut mieux que ça quand même. Attends. Et nous voici dans dans le dortoir donc. Ils sont. Allez, courez, courez, bande de bitch. Ah yeah, oh mais me pousse pas. Qu'est-ce que t'as là, what? Bon, il reste encore un peu de temps, donc Tyler is a slave. What? Pourquoi?
is this a Vortex Club or a Victoria Club initiation? Truly pathetic. Red Room? Room 217? No way in hell am I ever going in here. Stompem Bigfoot. Dana's still a cheerleader at heart. Ok, bon, bah, on va regarder un peu tous parce que Juliet, je sais pas c'est quoi. Extreme reporter. Je ne sais pas où est ma chambre. Avis de recherche encore. Ça, c'est les toilettes. Ok, on s'en fout. Could be fun. Glad I'm... Thanks for the warning. Ouais, bon, bref, on s'en fout de ça aussi. Ah, alarme incendie. Allez, on va faire sonner encore une fois. Ah, merde. Je ne peux pas refaire sonner l'alarme incendie, tant pis. Oh, Victoria, give me a fucking break. Ah, ça doit être ma chambre, ça. L'ardoise est vide. How sad. I didn't write anything. I have nothing to say. J'ai rien trouvé à écrire. Allez, on rentre dans la chambre, on va chercher la clé USB. Home ah, sympathique home. Chambre quand My même. Hein. Je dois pas être si pauvre que ça quand même, non? J'ai une guitare, PC portable, normal. Warren even left me a little message with his flash drive. He's such a goofball. Ah, c'est mignon. Ouais, on s'en fout de ce qu'il y a écrit, en fait. C'est rien d'important, si vous voulez le voir. Ah, un message de maman. Max, le proviseur, m'a envoyé un mail. Il paraît que tu as raconté des histoires invraisemblables à propos d'un excellent élève de Blackwell. C'est vrai? What? C'est vrai. Oh, la meuf. Si ma mère, elle m'écrivait en langage SMS, je crois que je la tue. Le proviseur m'a dit qu'il prenait ses accusations mensongères au sérieux. Il s'inquiète pour toi. Appelle vite, on en parle. Bisous, maman. Ah, évidemment. Hein. Évidemment. Est-ce que je peux l'appeler? Non, bon, bah tant pis. Ahoy, Captain. At least I know you've got my back. When I swallowed ah, je vais m'allonger un petit peu parce que j'en peux plus. Hein. ER. I knew we were bonded forever. Ah, c'était fatigant. Et on se dit bisous à tous. Dans cet épisode, on aura beaucoup parlé. Beaucoup, beaucoup. Il n'y aura pas eu beaucoup d'action. Hein, bah, de toute façon, c'est pas... Enfin, pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'action. À part le pot de peinture, c'est qui était bien fun. Et on se retrouve au prochain épisode. Hein. J'espère vous voir nombreux. Bisous à tous. Bye bye.